Et bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Guide Moderne, j'espère que vous avez la forme. Moi ça va très bien, aujourd'hui on se retrouve donc pour continuer sur notre lancée dans les salles de bain. La dernière fois on avait fait le Guide Moderne sur les douches, comment faire des douches. Aujourd'hui on va voir comment faire une baignoire. Alors j'ai hésité avant de vous faire ce guide parce que il risque d'être très court. Parce qu'il n'y a que deux façons on va dire de faire des baignoires. Sur Minecraft, enfin moi j'en connais pas d'autres, donc je vais quand même vous les présenter, je vais y arriver, mais j'ai quand même longtemps hésité avant de la faire. Alors on va prendre des escaliers en quartz tout simplement, et on va venir comme ceci dans un angle, les mettre les uns aux autres, hop, voilà comme ceci, et on va mettre en fait des dalles au fond. Alors non, voilà comme ceci. Et là, vous avez déjà votre bac de votre baignoire. Maintenant, si vous voulez mettre votre robinet au chaud, d'eau froide, ça c'est assez simple. Vous mettez deux leviers vers le bas. Vous mettez un cadre par-dessus. Et vous mettez une carpette par-dessus. Comme ça, ça vous fait un robinet. Vous voyez ici, eau chaude. Et ici, eau froide, puisqu'on a le bout de tapis qui dépasse, tout simplement. Voilà, donc la première façon de faire une baignoire. Vous pouvez après rajouter plus de détails avec des vitres. Par exemple comme ceci. Bon, vous fermez pas tout, hein, qu'on puisse rentrer dedans quand même. Vous voyez que ça va assez bien. En plus, j'ai fait un éclairage qui a des dalles, donc ça permet de fermer. D'ailleurs, si vous voulez le reproduire chez vous, enfin, chez vous, sur votre map, vous pouvez. Vous voyez, vous mettez des dalles avec des barres de laine. Comme ça va super bien pour l'éclairage. Vous faites un peu un plafond détaillé avec des dalles comme ça. Et là, ça vous fait une baignoire assez sympathique. Voilà, vous pouvez rentrer dedans et tout, et pas de soucis. Si jamais vous voulez mettre plus de détails dans votre baignoire, vous pouvez virer ces deux escaliers et mettre des blocs pleins, comme ceci. Et là, ça va vous permettre en fait de poser des choses, comme par exemple, pourquoi je tape peau, je ne sais pas. Voilà, par exemple un bouton, vous pouvez poser un bouton, faire comme si c'était un savon. Bon, ça fait un gros savon pour le coup, le machin il fait 2 kilos, mais voilà, dans Minecraft, hein, on peut pas non plus tout faire correctement. Donc c'est vous qui voyez, soit vous mettez des escaliers, soit vous mettez des blocs pleins comme ceci pour pouvoir poser quelque chose dessus. Alors je vais vous montrer la deuxième façon de faire un bac à douche. C'est à peu près la même chose, sauf que les escaliers cette fois-ci on va les mettre dans ce sens. Voilà, vous voyez le truc. Hop, comme ceci, avec des dalles au fond. Et là ça peut aussi vous faire un bac à douche. Alors là pareil, hein, c'est la même chose. Vous pouvez aussi mettre des blocs pleins. Par contre ça vous fait un petit rebord ici. Vous voyez, juste ça vous fait un petit carré. Donc voilà, c'est vraiment vous qui voyez. Après vous pouvez aussi continuer en mettant des blocs pleins juste sur le côté comme ceci. Et là vous pouvez mettre des vitres. Voilà, des vitres, et ici ça vous fait une petite montée. Voilà, et là vous avez une douche. Enfin plutôt une baignoire. Alors mettre de l'eau dans ces baignoires là ça va être compliqué. On peut essayer. Oui, voilà, ça casse votre levier, donc non, vaut mieux pas en mettre. Il y aurait sûrement moyen, mais quoi, lequel, j'en sais rien. Donc voilà, après c'est à vous d'ajuster, vous faites le bac que vous préférez. Voilà les amis, donc je vais refaire mon autre douche pour faire ma petite capture d'écran. J'espère que ça vous aura aidé quand même, c'était assez court comme vidéo. J'aurais dû la faire avec les douches, mais bon, j'ai complètement oublié. Voilà, sur ce, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, ça fera quand même très plaisir, de laisser un commentaire, à me donner aussi des idées si vous en avez pour la prochaine vidéo. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, portez-vous bien.